La région du Sud Komoui fait partie des grandes régions potentiellement riches de la Côte d'Ivoire et phare de l'Afrique de l'Ouest. La région s'étend sur une superficie de 7248 km². En 2010, la population était estimée à 656 150 habitants, composés en majorité des ressortissants autochtones, mais aussi d'allogènes ou allochtones venus chercher fortune dans cette généreuse région. C'est une région qui est riche de son histoire, en ce qu'elle a été la porte d'entrée des grandes mutations qui ont façonné toute la Côte d'Ivoire. Grande pourvoyeuse de richesses à l'économie nationale, le Sud Komoui reste avant tout une zone agricole porteuse. Avec la qualité exceptionnelle de son sol et l'abondance de la pluviométrie, le Sud Komoui enregistre une population agricole de 295 725 planteurs, plus de la moitié de la population dans son ensemble, avec plus de 14 000 femmes actives dans le secteur agricole. Premier producteur mondial de cacao, septième mondial de café, la Côte d'Ivoire doit aussi se rendre à la région du Sud Komoui. Elle dispose en effet de plus de 70 000 hectares de café, représentant 6% des terres cultivables à l'échelle nationale, 80 726 hectares de cacao, soit 4,2% à l'échelle nationale. Avec plus de 52 000 hectares, le palmier à huile constitue 24,5% des terres cultivables. Un autre atout majeur, l'EVA, et bien d'autres cultures adhérentes confèrent à la région du Sud Komoui son statut de zone pourvoyeuse de fonds à la Côte d'Ivoire. De grandes surfaces de plantation qui rapportent au pays entre 70 milliards et 100 milliards de francs CFA par an en termes de recettes à l'exportation. Je lance un appel pour, j'allais dire, les bailleurs de fonds, les partenaires internationaux et nationaux, et à tous les cadres de ce pays, et même ceux de cette région, qui veulent bien investir dans l'agriculture, de penser à la région du Sud Komoui. C'est une région qui, du point de vue géographique, est très bien située. Nous sommes à environ une centaine de kilomètres de la capitale économique et à environ une cinquantaine de kilomètres de la République sœur, le Ghana. Donc c'est dire que du point de vue accès ou évacuation des productions ou même des marchandises qui sont produites, il n'y aura pas de difficultés. Au niveau de l'hydrographie, le Sud Komoui a été bien servi par la nature. Plusieurs fleuves et cours d'eau traversent la région. L'océan Atlantique, les fleuves Komoui, Bia et Ania, Noué, la lagune Abi ou encore la lagune Ébrier se complètent harmonieusement pour offrir aux populations bien-être et moyens de subsistance. Le bien-être se trouve dans la réalisation du premier barrage hydroélectrique du pays, Ayamé 1, auquel s'ajoutera plus tard Ayamé 2. Les moyens de subsistance de nombreuses populations au-delà de l'agriculture résident dans cette floraison de cours d'eau. Du coup, la pêche, l'aquaculture et la pisciculture deviennent des activités prisées, surtout dans la commune d'Ayamé, à proximité des barrages hydroélectriques et sur la lagune Abi, la plus grande de la région en termes de superficie, 424 km². La direction régionale du ministère de la production animale et des ressources halieutiques note une forte activité dans le domaine de la pêche maritime, lagunaire ou de la pêche en eau continentale. Plus de 3000 pêcheurs recensés. En 2012, les statistiques donnent 1748,475 tonnes de poissons frais pêchés, 734,954 tonnes de poissons fumés, les crustacés, crabes, crevettes, langoustes ont valu quant à eux 223,496 tonnes
pour l'année écoulée. Selon les spécialistes du ministère des Ressources halieutiques, la région du Sud Kobwe rapporte chaque année à l'État de Côte d'Ivoire des recettes allant de 1 à 2 milliards de francs CFA. Les différentes ressources halieutiques que nous pêchons régulièrement ici, c'est les ressources naturelles d'eau douce. Je vais parler des tilapias, des mâchoirons, en gros, ainsi que des silures, tout ce que nous pouvons pêcher en eau douce. Il en est de même pour les crustacés. La valeur économique des ressources halieutiques au niveau de la région est assez importante. Elles sont chiffrées en termes de milliards pour la région, pour ce qui concerne les pêches. Le secteur halieutique est un secteur qui devrait se développer davantage dans la région du Sud Kumuyi à travers sa modernisation. Si les partenaires étrangers, l'État, les ONG, en tout cas tous ceux qui peuvent aider aujourd'hui la jeunesse d'Ayami, les pêcheurs, je pense qu'on va faire un grand pas et la provision va augmenter. Une des potentialités de la région du Sud Kumuyi se trouve dans ses valeurs culturelles et ancestrales. Celles-ci puisent tous leurs fondements dans l'organisation du Royaume sans vie. Installé depuis le XVIIe siècle avec pour siège Kringiabo, riche de ses cérémonies rituelles et autres danses des nobles, le Royaume sans vie constitue à lui seul la mémoire vivante de tout le peuple sans vie. L'actuel roi de Sangui s'appelle Nanan Amon Dofusink. Parcourir la région du Sud Kumuyi sans pouvoir profiter pleinement de son tourisme balnéaire serait un crime de lèse-majesté. Les célèbres plages d'Assili et de Grand Bassam continuent de faire de la région une des parties de la Côte d'Ivoire visité chaque année par des milliers de touristes venus des quatre coins du globe. La ville historique et balnéaire du Grand Bassam est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Preuve que Grand Bassam a gardé tout son attrait. Une randonnée maritime dans les eaux de la Bia à Adiaké présente et fait découvrir aux visiteurs un circuit touristique. Première destination, les îles Eotilé. Elles ont été érigées en parc national depuis 1974 à l'initiative des communautés locales. Le parc national des îles Eotilé est un ensemble de 6 îles, dont une île sacrée, situé sur le littoral est de la Côte d'Ivoire, cet archipel couvre une superficie de 550 hectares. L'embouchure de la lagune, marquant la fin de la presqu'île Assini-Mafia, est appelée la passe. C'est une des destinations privilégiées des amoureux des stations balnéaires de la Côte d'Ivoire. Des villages de vacances à Sini-Yassoulé longent la berge. Arriver à faire une véritable industrie touristique, pour nous, ça va être l'un des points importants de notre programme d'action. Lorsque Bassam fête la Bissa, nous considérons que celui qui vient à la Bissa ne peut pas pendant une semaine se contenter de la Bissa. Il faut qu'à partir de là, il y ait un institut touristique qui lui permette à partir de Bassam. Il aura vu la mer, qu'il puisse aller jusqu'à Assini, que d'Assini il puisse aller, après la mer, il puisse passer par l'embouchure, aller à Djeké pour voir également l'attrait touristique de la lagune et arriver par exemple jusqu'à Tiapoum. En plus de toutes ces potentialités, la région du Sud Kumuyi peut se réjouir d'être à une vingtaine de minutes de la capitale économique, Abidjan, à partir de Grand Bassam. Elle est également la porte de sortie sud de la Côte d'Ivoire vers la sous-région ouest-africaine.
De nombreuses infrastructures ont été mises en place par les conseils régionaux dans les domaines de l'éducation, de l'adduction d'eau, de l'électrification et de la santé. Beaucoup de choses peuvent être faites en termes de santé, mais il faudrait que cela se fonde sur un plan régional de développement sanitaire qui est en cours d'élaboration. Donc, dans ce sens-là, il faudrait que le conseil régional appuie les techniciens pour que nous puissions élaborer ce document important afin qu'il soit une boussole pour nous orienter sur la santé dans la région. Lorsque vous avez mis en place les infrastructures, vous posez un autre problème, parce que rien ne se fait gratuitement. Si les populations ont accès à l'électricité, cela a un coût. Quand les populations ont accès à l'eau, ça a un coût. Et de même à la santé. Mais il leur faut maintenant, il faut les aider maintenant à créer des richesses, c'est-à-dire avoir les moyens pour se prendre en charge. Il faut penser à présent à l'industrialisation du Sud Kumuyi avec des usines de transformation, des productions agricoles, usines de caoutchouc ou encore des transformations de palmiers à huile. Industrialiser le Sud Kumuyi, c'est créer des richesses dans l'intérêt de tous. Notre priorité aujourd'hui, notre vision, c'est d'aller vers une véritable transformation de nos cultures. Et je crois que le domaine qui se prête le mieux à notre démarche, c'est l'agro-industrie. La région produit beaucoup de palmiers. Nous ne voulons plus nous contenter de vendre cette production. Il faut aller vers la transformation. Au demeurant, ça a commencé avec d'autres unités. Mais il faut y aller parce que c'est plus de 60 000 hectares de plantations avec les plantations villageoises là-bas. Il y a également l'EVA. Là aussi, la transformation est possible. Donc, nous devons nous engager dans l'agro-industrie, dans la transformation, si nous voulons aller au développement. Après avoir contribué pleinement au développement de la Côte d'Ivoire, la région du Sud Kumuyi a décidé de prendre en main son destin socio-économique et culturel. Nous voudrons vraiment lancer l'appel à tous les pays, à tous les investisseurs, à tous ceux qui veulent investir dans l'agro-industrie, dans la pêche, dans le tourisme, dans l'immobilier, dans l'énergie, etc. Nous sommes une région sérieuse où nous avons une équipe de cadres compétents. Je voudrais vous dire qu'au niveau du conseil régional, nous n'avons pas moins de 10 directeurs généraux de sociétés. Ils sont des conseillers généraux, des ingénieurs, des médecins, des pharmaciens, des banquiers. Donc avec tout cela, je crois que nous avons les intelligences qu'il faut et également en collaboration avec l'ensemble des forces vives de la région, nous pouvons donner la place à tous ceux qui veulent, faire un placement heureux pour leur capital. Avec l'avènement des conseils régionaux en Côte d'Ivoire, la région du Sud Kumuyi s'ouvre au monde extérieur avec ses attraits, atouts et opportunités d'affaires. Économiquement, la région du Sud Kumuyi pèse des dizaines de milliards. Aujourd'hui, il s'agit pour le conseil régional de faire du Sud Kumuyi une des régions les plus développées de la Côte d'Ivoire. Un Eldorado, un espace économique où il fait bon vivre et où se bousculent les investisseurs étrangers.